Coucou tout le monde! Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui est un tag. Alors avant de commencer ce tag, je voulais vraiment m'excuser. Oui, encore une fois, je fais que de m'excuser avec vous. Sur le manque de vidéos cette semaine, tout simplement parce que cette semaine, j'avais beaucoup de choses à faire, étant donné qu'on a eu un long week-end, parce que mon copain a pris son vendredi, et du coup lundi, c'était férié, donc il a eu lundi, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, samedi, dimanche, lundi. Du coup, je voulais profiter de lui et lundi, j'ai tourné ma vidéo pour la chaîne Equidé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Equidé, je vous mets le lien en barre d'infos. Et ensuite, hier, j'ai eu un petit souci personnel. Donc je n'ai pas pu vous tourner de vidéo parce que j'avais pas trop le moral. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, hier, j'avais pas trop le moral et en plus, j'avais fait mon heure de conduite. Donc j'étais vraiment... pas trop dans mon assiette. Et aujourd'hui, c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo. Alors, Azzaro pourra sortir de son prêt le samedi 30 mai, donc samedi qui arrive là, donc je suis super contente parce que les vidéos du coup vont reprendre, oh là là, avec le loulou, je vais vous faire plein de vidéos parce que j'avais plein de vidéos en tête. Pendant qu'il a été en quarantaine, en fait, c'était le moment où j'avais plus de vidéos en tête que j'avais envie de faire et je pouvais pas parce qu'il fallait absolument que Azzaro soit dans le centre équestre pour que... je puisse faire la vidéo. Et là j'ai vraiment plein de vidéos à vous tourner, donc voilà, à partir du samedi 30 mai il va y avoir plein de vidéos. Je vais vous sortir plein de trucs, plein de tutos, plein de plein de séances, plein de nouveautés. Alors excusez-moi aussi parce que j'ai le nez extrêmement bouché. J'ai le nez extrêmement bouché, je sais pas si vous l'entendez à travers le micro, mais j'ai genre le nez mais qui il est hors service, mon nez, il ne sert à rien. Il est vraiment bouché, mais plus rien ne passe. Donc voilà, si je parle du nez, excusez-moi. Et donc voilà, donc j'ai décidé de vous faire un petit tag qui est les 100 questions que personne ne pose. Donc j'ai trouvé ce tag sympa, tout simplement parce que ça va vous permettre à vous de mieux me connaître sur certains points, etc. Et je me suis dit ça va un peu compléter la vidéo FAQ que j'avais fait il n'y a pas très longtemps là. Que j'avais fait comme ça, ça va vous permettre de beaucoup mieux me connaître avec la vidéo FAQ et ce tag là. Et donc voilà. Donc on va commencer, je vais essayer de répondre très vite parce qu'il y a 100 questions. On va faire vite. Alors la première question, tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Alors moi je dors toujours avec ma porte fermée, alors ça dépend. Quand j'étais jeune, quand j'étais vraiment toute petite, je la laissais toujours ouverte parce que j'avais peur en fait de... Voilà, j'avais peur, donc j'ai laissé toujours ma porte ouverte, mais depuis que j'ai grandi, maintenant c'est obligatoirement fermé quoi. Si je vois le couloir à partir de mon lit, ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. Question 2. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors ça dépend. Ça dépend s'ils sont mignons ou pas. Alors je parle du packaging, hein, pas du gel douche en lui-même, parce que le gel douche en lui-même... En général, il pue, il est dégueulasse. Mais je parle plutôt du packaging du produit en fait, parce qu'une fois j'avais dormi dans un hôtel Disney et les gels douches en fait ils sont en forme de... il y a le gel douche et le bouchon c'est en forme de tête de Mickey et j'ai trouvé ça trop mignon et donc je les ai embarqués. Mais voilà, mais en général non, si genre on va dans les Formule 1 ou des trucs comme ça, j'embarque pas les gels douches, mais chez Mickey ouais. Question 3, tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors, dans un lit pas vraiment fait. Je déteste border mon lit en fait, je trouve que ça sert à rien parce que le soir on le défait de toute façon. Et voilà, donc moi je mets juste ma couette comme ça sur mon lit et voilà. Et ça marche tout aussi bien. Question 4, as-tu déjà volé un panneau dans la rue? Alors non, jamais. Et personnellement, je le ferai pas. Déjà, ça peut être super dangereux pour les personnes qui roulent sur la route. Mais en plus, j'y vois pas trop l'utilité, sauf si tu veux faire une méga déco chez toi. Mais bon, voilà quoi, au pire. Hein. Voilà. Question 5. Utilises-tu des post-it? Alors moi, je n'utilise pas de post-it, les post-it à proprement parler. Mais j'utilise des big feuilles. Mais quand je dis des big feuilles, c'est que voilà, je... Voilà, j'utilise des grosses feuilles où je marque toutes mes idées en fait, toutes mes futures vidéos que je vais faire, que je dois faire, les trucs que je dois faire aussi personnellement, enfin voilà. J'utilise des grandes feuilles, pas des post-it. Question 6, alors découpes-tu des bons
Attends. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors ça dépend si le bon de réduction est genre ouais c'est la folie, moins 50% sur un produit et tout. Ouais je découpe mais ouais c'est vrai que je les utilise jamais parce qu'à chaque fois j'oublie quand je vais à la caisse, genre j'oublie à chaque fois. Ouais ça m'est déjà arrivé mais je le fais de moins en moins parce que je sais que tout ça c'est maintenant c'est genre en marketing et tout, ça me saoule un peu et en plus ça encombre les portefeuilles donc... Maintenant, je laisse couler, même si c'est une méga promo. Mais avant, ouais, je le faisais pas mal. Question 7. Tu préférais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Alors, sans hésiter, par un gros ours. Mais sans hésiter une seule seconde. Le gros ours, à la rigueur, il te tue tout de suite. Voilà. L'armée d'abeilles, elle va venir te piquer une par une. Tu vas agoniser pendant 3 heures. Tu vas finir... voilà. Ah non, je préfère le gros nounours. Et c'est plus facile à calmer un ours que des abeilles, je pense. Enfin, le dialogue n'est pas le même. Question 8. As-tu déjà des... As-tu... Mais d'où je le sors, le déjà? As-tu des taches de rousseur? Absolument pas. Question 9. Souris-tu sur toutes les photos? Absolument pas. Question 10. Quel a été ton plus gros caprice? Oh là là, je m'en souviens pas. J'en ai fait tellement. Non, je rigole. Non, je rigole, mais franchement, je m'en souviens pas. Je sais que j'ai dû faire un gros caprice, mais je m'en souviens pas. Mais j'étais pas très capricieuse. Hein. Je demandais, et si on me disait non, bah c'était non. Et voilà. Question 11. Comptes-tu les marches quand tu montes? Pas du tout. Question 12. As-tu déjà fait ta petite commission dans la forêt? Alors, la petite commission, oui. Quand j'étais adulte et enfant, ça m'est arrivé. Et la grosse commission, donc en question 13, oui, ça m'est arrivé quand j'étais vraiment toute petite de le faire dans la forêt. Je pouvais pas me retenir, j'avais trop envie de faire la grosse commission. Et du coup, j'ai fait la grosse commission dans la forêt. C'était quand j'étais petite. Maintenant, je ne l'ai plus jamais refait. Question 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Alors, je vais paraître bizarre, mais je danse uniquement quand il n'y a pas de musique, en fait. Quand il y a de la musique, j'ai tellement pas le rythme dans la peau, enfin, je sais tellement pas danser, que du coup je me retiens de danser quand il y a de la musique. Mais par contre quand il n'y a pas de musique, je peux improviser une danse, on s'en fout, je sais pas du tout. Personne ne sait quelle musique j'ai dans la tête. Donc je pourrais improviser une petite danse comme ça et voilà, je m'en fous même si je danse mal, voilà. Question 15. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Quand j'étais petite, je le faisais énormément, mais genre je les bouffais mes crayons, c'était... Voilà, et aujourd'hui, absolument plus du tout. Mais genre, même mettre un crayon dans la bouche, ça me dégoûte, mais complètement. Donc, quand j'étais petite, oui, mais plus maintenant. Question 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Une seule. C'était mon copain. Quelle taille fait ton lit? Alors, mon lit, c'est un 200-220, je crois. Ouais, c'est un 200-220. Un lit moyen. Pour les gens moyens. Ah, j'ai un huppé. Voilà. Quelle est ta chanson de la semaine? Alors j'ai plein de chansons de la semaine, mais celle que j'aime bien c'est Radioactive de je sais plus qui, mais elle s'appelle Radioactive. Voilà. Voilà. Question 19. Est-ce ok de porter du rose? Bah oui, les gens ils font un peu ce qu'ils veulent. Question 20. Regardes-tu encore les dessins animés? Alors ça va vous paraître bizarre, mais je regarde beaucoup plus de dessins animés que de films. Genre les dessins animés c'est ma vie quoi, c'est ma life. Alors je regarde pas tout et n'importe quoi en dessin animé. Hein. Je regarde uniquement des Disney. Ok? C'est la base. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Disney c'est la base. Voilà, je regarde que des Disney, après les autres dessins animés je regarde pas trop. Enfin sauf les... comment ça s'appelle? Les Tom et Jerry, enfin les trucs un peu anciens quoi, enfin anciens, je m'entends. Mais voilà, que des trucs comme ça, mais les nouveaux dessins animés d'aujourd'hui là, les trucs complètement nuls à chier, non je regarde pas. Question 21, quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Alors le dernier film que j'ai vu, c'était... Mais laissez-moi en paix! Mais j'en ai marre de ce portable là, il veut jamais se taire. C'est ça, oui bah à cause. Le dernier film que j'ai vu et que j'ai aimé, c'était Interstellar. Mais genre, mais je m'attendais pas du tout à un film comme ça en fait. C'était, ouais, je m'attendais pas du tout à un film comme ça.
En fait, je m'attendais pas à ça. Voilà. Je savais que ça parlait de ça, mais pas de... Enfin bref, voilà, c'était Interstellar et j'ai trouvé ce film juste... trop beau, quoi. Mais juste... voilà, trop beau. Il y avait trop de surprises, hein, le film. Question 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? À la banque. Alors déjà, si j'ai un trésor... ouais, je le cache à la banque, en fait, dans un coffre-fort, là. Voilà. Parce que creuser un trou dans le jardin, merci, quoi. En plus, on n'est même pas proprio, alors laisse tomber. Tu dois faire un gros trou, t'as le proprio à côté qui va gueuler. Ouais, pourquoi vous avez fait un trou dans mon jardin? Et tout, c'est la grosse merde. Autant mettre ça à la banque, au moins. Question 23. Que bois-tu en mangeant? Ça dépend de tout. De l'eau, du soda, ça dépend. Franchement, j'ai pas de... 24. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Sauce chinoise et barbecue. Oh my god. Oh là là. Sauce chinoise et barbecue, mais c'est genre... mais oh oui. Voilà. Surtout la chinoise. Oh là là, elle est tellement... Oh là là, je l'aime. Mais je l'aime d'amour. Question 25. Quel est ton plat préféré? Alors ça, vous le savez, parce que je l'ai dit dans la FAQ, c'est le sushi de Sushi Shop et les McDo. Enfin, McDo et sushi de Sushi Shop, c'est ma vie, c'est ma life. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ma life. C'est, voilà. Moi, on s'abstiendra de tout commentaire sur la malbouffe, etc. Je suis au courant, hein, j'ai 21 ans. Mais voilà, c'est ça. Question 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et aimer encore? C'est Sur la route de Madison. Franchement, je m'en lasse pas. Je m'en lasse pas de ce film, c'est Sur la route de Madison. La dernière personne que tu as embrassée? C'était mon copain, ce matin. 28. As-tu fait les scouts? Pas du tout. 29. Poserais-tu dénudée pour des magazines? LOL. Alors, ça dépend. Si c'est genre un magazine de boules, non. Là, c'est niette. Non. Non. Pareil, mais par contre, si c'est genre un magazine belle toute nue, j'ai des rondeurs, je l'assume. La vie est belle. Et qu'on ne voit strictement rien de mon intimité. Par exemple, on ne voit pas mes seins ni en bas. Qu'on est vraiment bien caché par un... Je sais pas, par un truc artistique, oui, je pourrais. Mais pas pour un magazine de luxe, ça c'est sûr. C'est sûr. Question 30. Elle est vachement française cette phrase. Quand était la dernière fois? Ouais, bon. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Bah, il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, c'était pour répondre à vous, pour vous répondre. Voilà. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Bah, encore heureux, parce que sinon, voilà quoi. Mon code, je ne l'aurai sûrement pas. Question 32. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Pas encore, étant donné que je n'ai pas encore mon permis. 33. Tomber en panne d'essence de voiture? Non plus. 34. Ton sandwich préféré? Oh my god, mon sandwich préféré, c'est les... Alors, soit les poulets complets, tu sais, avec de la mayonnaise et du poulet, tout ça. Ou soit, c'est genre du fromage blanc ou un espèce de tzatziki ou de tartare, enfin, je sais pas. Avec du saumon, du maïs, de la salade et tout. Oh là, sandwich au saumon, mais je kiffe ma... Voilà. Voilà. 35. La meilleure chose au petit déjeuner? Alors au petit déjeuner, franchement, je ne suis absolument pas compliquée et je mange de tout. Ça peut être vraiment soit du salé ou du sucré, tout n'importe quoi, des tartines de Nutella, des tartines de pain à la confiture, des biscuits, des céréales, du bacon avec de l'œuf. Ça peut être de tout. J'ai vraiment pas de préférence pour le petit déjeuner. J'adore le petit déjeuner, mais je ne suis pas non plus à 100% petit déjeuner. Voilà. 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Alors, je vais me coucher à... Alors, ça dépend si coucher, ça veut dire s'endormir. Je m'endors toujours à minuit et demi, 1h du matin. Par contre, je me couche vers les 21h30, 22h. Voilà. Et en attendant, bah, soit j'écoute de la musique, ou je parle avec mon copain, ou je suis sur mon ordinateur. Enfin, voilà. Mais voilà,
37, es-tu feignante? Oui. Oui. Je suis extrêmement feignante et c'est l'un de mes plus gros défauts d'ailleurs. Car je suis extrêmement feignante. Question 38. Quand tu étais petite, en quoi te Putain, c'est qui m'appelle? Non mais allô? Il y a des abonnés qui m'appellent quoi. Tout va bien. Tout va très bien. Tout va très bien aujourd'hui. Tout va très bien. Il n'y a aucun souci. Tout va bien. Tout va bien. Les abonnés m'appellent. Tout va bien. Tout va bien. Oh, bon, alors j'en étais où? Ah oui, voilà. Donc, question 38. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors, quand j'étais petite, je me déguisais jamais pour Halloween. En fait, on fêtait jamais Halloween chez moi. C'est, voilà. Halloween, c'est pas vraiment une fête pour moi, en fait. Mais c'est qui? Pourquoi on me parle? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, quand je fais une vidéo, on me parle? Quand je ne fais pas de vidéo et que je me fais chier, on ne me parle pas. Et quand je fais une vidéo que je suis occupée, c'est le moment que les gens choisissent pour me... Voilà, voilà, tout va bien, tout va très très bien. Question 39, quel est ton signe astrologique chinois? Je suis chien. Question 40, combien de langues peux-tu parler? Une seule, c'est déjà très très bien. Il faut déjà que je gère le français, après le reste on verra. Es-tu abonné à un magazine? Non, pas du tout. Question 42, plutôt Lego ou Domino Lego? Question 43, es-tu têtu? Alors oui, ça dépend pourquoi. Quand c'est un thème qui me tient vraiment à cœur, ouais, là je suis extrêmement têtu. Quand c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, je suis vraiment têtu. Après, quand c'est un truc qui me passe un peu par-dessus la tête, non, franchement, ça va. Mais oui, pour le reste, je suis vraiment têtu. Question 44. Claire Chazal ou Jean-Pierre Foucault? J'aime bien les deux, mais je préfère Jean-Pierre Foucault quand même. Jean-Pierre Foucault, Jean-Pierre Pernaut. Jean-Pierre Pernaut, il est gentil. C'est un gros nounours. On a envie de lui faire des bisous. Question 45. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Alors oui, j'en ai regardé qu'une seule et c'était Le Destin de Lisa. Voilà, c'était il y a très longtemps maintenant. Il y a plus de 7 ans. C'était Le Destin de Lisa, j'étais vraiment super fan, mais maintenant, bon bah voilà. Question 46, as-tu peur du vide? Alors oui, mais genre, mais oui, énormément, ouais, énormément. J'ai énormément peur du vide. Déjà, quand je suis sur un tabouret, je suis mal à l'aise, tu vois. Question 47, chantes-tu dans la voiture? Pas beaucoup, un tout petit peu s'il y a vraiment des musiques qui me... Sinon, pas du tout. Chantes-tu sous la douche? Encore moins. Quand je suis sous la douche, je suis vraiment concentrée à faire mon shampoing, à me laver et je chante pas du tout. Danses-tu dans la voiture? Ça dépend quelle musique, mais pas tout le temps. Franchement, c'est très rare. Question 50. Utiliser un pistolet? Non, ça va aller. Question 51. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, c'était quand j'avais 7 ans. Ouais. 7 ans... pour la photo de classe. Question 52. Aimes-tu des comédies musicales? Non, pas du tout. Je déteste les comédies musicales. Ça m'énerve. Un plus haut point. Les comédies musicales, j'aime pas du tout ça. Ça fait que de chanter. Enfin, c'est un peu le but, tu me diras, mais ça me saoule. Question 53. Noël est-il stressant pour toi? Pas du tout. Question 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Pierogi? Non. Question 55. Ta tarte aux fruits préférée, c'est les tartes aux pommes que j'adore. 56. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais enfant, je voulais devenir vétérinaire. Question 57. Crois-tu aux esprits? Oui et non. Enfin, ça dépend. Mais plus oui que non. Question 58. As-tu des impressions de déjà-vu? Énormément. Et quand j'étais petite, en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui pouvais avoir ça, en fait. Des impressions de déjà-vu. J'avais l'impression que j'étais toute seule. Et en fait, non, j'ai découvert qu'il y avait d'autres gens aussi. Mais ça m'arrive extrêmement souvent et souvent, c'est... J'essaye de comprendre de ce phénomène de déjà-vu alors qu'on n'a jamais vécu cette scène-là. J'essaye de comprendre et je suis toujours dans le flou. Alors si quelqu'un peut m'éclairer... Question 59. Prends-tu des vitamines? Non. 60. Portes-tu des pantoufles? Non plus. 61. Un peignoir? Non plus.
Que portes-tu pour dormir? Un vieux jogging et un vieux t-shirt de mon copain. Ou un pyjama mignon? Question 63, ton premier album reçu? C'était il y a super longtemps, les gars. Ah oui, c'était l'album de Disney, avec la compilation des chansons Disney. Voilà. 64, Carrefour del... Quoi? Delez? Tout va bien. Ou Lidl? Carrefour. 65, Nike ou Adidas? Nike. 66, hamburger ou frites? Hamburger, mais sans hésiter, mais les frites. Mais ça sert à rien, les frites. Mais hamburger, c'est la vie, les hamburgers. 67, chant de tournesol ou de coquelicot? Coquelicot. 68, déjà entendu parler du groupe? Très bien, pas du tout. 69, as-tu déjà pris des cours de danse? Absolument pas. 70, quel métier vois-tu pour ton futur mari? Bah, il a déjà un métier et je ne souhaite pas le dévoiler. Peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Pas du tout. Voilà, c'est tout. 72, as-tu déjà gagné une coupe? Absolument pas. 73, as-tu déjà pleuré de joie? Oui, mais c'était que pendant des films. Genre, j'étais trop contente pour la personne. Et du coup, j'ai pleuré de joie devant des films. Mais jamais dans ma vie, dans la vie réelle. 74, as-tu un quelconque vinyle? Mon père en a beaucoup, mais pas moi. 75, as-tu un tourne-disque? Mon père, oui, mais pas moi. 76, brûles-tu régulièrement de l'encens? Ça pue l'encens, c'est infernal. Ça t'embaume toutes les pièces, après t'as un mal de crâne pendant 4 jours. Non, pas d'encens. Non. Non. 77, es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, my god, oui. Oh là là, oui. Pas de beaucoup de personnes, hein, mais quand j'étais amoureuse, un peu trop, un peu beaucoup trop même. Question 78, qui aimerais-tu voir en concert? Phil Collins, j'aimerais énormément le voir en concert, mais Phil Collins, c'est... Voilà, j'aimerais trop le voir en concert. Bon, ça va vous paraître bizarre pour vous parce que oui, la meuf, elle aime les musiques de vieux et tout. Mais non, mais genre Phil Collins, quand il est à la batterie. Phil Collins à la batterie, c'est voilà. 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 On peut pas faire voilà, c'est Phil Collins à la batterie. D'ailleurs, je vous mets un petit lien d'une vidéo que j'adore de lui, qui est avec... Enfin, il fait un duo de batterie, enfin, un duo de batterie, là, comme ça. Où, mais genre, mais ce duo me rend folle de... Oh, j'ai des frissons partout, tellement que c'est super bien joué. Donc, si vous voulez voir, par curiosité, vous pouvez aller voir. 77, le dernier album que tu as acheté. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas acheté d'album. 80. T'es chaud ou t'es glacé? T'es glacé. 81, thé ou café? Thé. 82, avec du sucre ou des petits gâteaux? Du sucre. 83, sais-tu bien nager? Oui, très bien. 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Question 85, es-tu patiente? Ça dépend pourquoi. Et j'ai remarqué que je suis de moins en moins patiente. Quand j'étais petite, j'étais extrêmement patiente. Mais je veux dire, genre à 15 ans, j'attendais ma mère pour un rendez-vous. Le rendez-vous, il a duré toute l'après-midi et je suis restée dans la voiture, quoi. Et tout allait très très bien. Donc voilà. Je suis très patiente, mais j'ai remarqué que j'étais de moins en moins patiente. 86, DJ ou groupe pour un mariage? Je préfère le DJ quand même. Ça fait plus... Enfin bref. 87. As-tu déjà gagné un concours? Non. 88. Eu recours à la chirurgie esthétique? Non plus. 89. Olive verte ou noire? Aucune des deux. Je déteste les olives. Je trouve ça extrêmement pas bon. 90. Sais-tu coudre ou tricoter? Ni l'un ni l'autre. Je sais recoudre les boutons, mais c'est tout. Que les boutons. 91, meilleure place pour une cheminée, le salon. 92, veux-tu te marier? Oui. 93, si tu es mariée, cela fait combien de temps? Je ne suis pas mariée. 94, avais-tu un amoureux en primaire? Oui.
95. Pleures-tu jusqu'à ce que tu ailles mieux ou gardes-tu tout pour toi? Ça dépend. Ça dépend de pourquoi je pleure et de... Et voilà. Mais en général, je garde assez pour moi. 96. As-tu des enfants? Non. 97. En veux-tu? Non, je ne veux pas d'enfants. 98. Quelle est ta couleur préférée? J'ai plein de couleurs préférées. Franchement, j'en ai pas vraiment. 99. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui, mais je ne dirai pas qui. Et 100. Regardes-tu Koh-Lanta? Absolument pas. Toutes les téléréalités à 2 francs, je ne regarde pas. Ça m'horripile. Donc voilà mes loulous, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très 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 prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!